Mesdames, Messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à cette émission scolaire sur la télévision nationale. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, de nos jours, le constat révèle que le niveau de formation des élèves et étudiants des institutions d'enseignement scolaire et universitaire baisse progressivement. Donc, l'émission École guinéenne s'est intéressée à cette épineuse problématique. Le comment et le pourquoi seront l'ossature de cette émission. Suivez. Bon, monsieur, nous sommes dans vos locaux ce matin. Oui. Et monsieur, le constat révèle que le niveau de formation des élèves et étudiants baisse progressivement. Oui. Et selon vous, quelle lecture faites-vous de cette problématique? C'est le manque de civisme, c'est-à-dire le manque de documents pédagogiques. Parce que quand tu regardes dans l'ensemble, il y a un manque de documents pédagogiques. Encore, quand tu prends chez les parents aussi, il y a des parents qui ont fui leurs responsabilités. Sinon, dans les écoles, précisément chez moi ici, moi j'ai pris toutes les dispositions par rapport à la formation des enfants. Mais on a remarqué, quand vous formez les enfants à la maison, ils n'apprennent pas. En général, quand tu regardes quelque part, les parents ne suivent pas les enfants correctement à la maison. Parce que même si l'école fait son travail, si les parents, ils ne font pas leur rôle, parce que quand l'élève rentre à la maison, tu ne le demandes pas, où est ton cahier? Je vais voir corriger. Encore, il faut toujours organiser les évaluations continues. C'est-à-dire, chaque mois, il faut évaluer un enfant. Il faut savoir son niveau. Si ça ne va pas, tu fais des remédiations. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas lié à la qualité de l'enseignement? Non, la qualité de l'enseignement, dans une institution privée, il ne faut pas chercher à tenir compte des relations fraternelles ou bien amical, parce que si tu dis de tenir compte de ça, tu vas prendre des gens qui n'ont pas le niveau. Et chez moi ici, moi je teste. N'importe quel professeur qui vient chez moi, je te soumets à un test. Donc je crois bien chez moi, tous les professeurs, les 90% des professeurs qui sont là, ils ont le niveau. On a même un cahier de contrôle par rapport à ça. C'est-à-dire un cahier de contrôle pédagogique. Chaque fois, le censeur passe dans des classes pour contrôler, pour connaître comment les professeurs dispensent. Si ça ne va pas, il fait raisonner des professeurs. Si on voit que vraiment le professeur n'a pas de niveau, on le fait changer. Pour améliorer la qualité de formation des élèves, je demande à l'État de chercher un moyen de formation, c'est-à-dire continuer des professeurs. Parce que la science, ça se développe. Donc, il faut chaque fois organiser des séances de formation. Surtout pendant les petits congés, pendant les vacances, ils organisent dans les différentes DCE, les séances de formation. Je sais que ça va améliorer beaucoup. Parce qu'il y a dans certaines écoles, il y a des instituteurs qui n'ont pas le niveau. Mais s'il y a des séances de formation, et ils suivent ça, ils vont changer. Et quel autre appel avez-vous à lancer? Il faut que l'État vienne en subvention pour les écoles privées. Parce que les écoles privées aident beaucoup l'État. Parce que quand vous prenez l'exemple sur la terre, la meilleure école de la contrée, c'est notre école. Et l'école là... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, parce que chaque année, on fait des lauréats. Il n'y a pas cette année, ça fait plus de 6 ans, on a toujours produit des lauréats. Pour partir plus loin, on a même fait des lauréats ici. Ils sont partis au Maroc, ils ont été lauréats là-bas. Pour preuve, il y a un même qui est en France aujourd'hui, il est en train de faire son doctorat. Il a gagné la bourse là, à travers le Maroc. La rigueur d'abord, encore, il faut être très sérieux dans ce que tu fais. Et faire des évaluations continue, c'est-à-dire chaque fois il faut évaluer un enfant. Il faut mettre dans la tête de l'enfant, il ne doit pas copier. Moi, il n'y a pas d'évaluation, c'est que je donne l'occasion à un enfant de copier parce qu'ils sont mis impartables. Donc il faut être sévère, c'est-à-dire être rigoureux dans le travail. Alors, presque tout est dit, monsieur, et nous vous remercions de vous répéter le questionnaire. Non, vraiment, merci, je suis beaucoup. Bien ravi, merci. Je suis content de votre visite. Merci à vous. C'est encourageant, c'est vraiment bien pour l'école guinéenne parce que ça,
ça encourage les enfants d'étudier de plus et puis de fournir le maximum d'efforts pour réussir. Bon, ce matin, nous aurons pour thème les problèmes de l'Afrique contemporaine, et pour titre les diverses manifestations de la démocratie. Nous savons bien que l'étude de ce thème nous ramène à réfléchir après l'indépendance de l'Afrique, les problèmes auxquels les Africains furent confrontés. Certes, ça nous ramène à dire, c'est comme il fallait ajouter que... Merci, monsieur le littéraire. Vous allez bien? Merci. Alors, monsieur, vous qui êtes permanemment en contact avec les élèves, le constat révèle que le niveau des élèves étudiants et de l'enseignement supérieur et scolaire baisse progressivement. Selon vous, quels sont les motifs? Bon, c'est un constat qui révèle vrai et regrettable dans la mesure où, dans ces derniers temps, les échecs sont multiples. La responsabilité est partagée. De part et d'autre, nous avons celle des parents. Nous avons aussi celle des formateurs que nous sommes nous-mêmes. Nous avons aussi les élèves. Bon, si nous pouvons prendre les parents, nous assistons dans ces derniers temps à la démission totale des parents. Il ne s'agit pas simplement de payer cher l'école et d'envoyer l'enfant. Mais il faut aussi suivre, des fois avoir même le temps de venir à l'école, demander la régularité effective de l'enfant par rapport au taux de fréquentation. Donc cela est aujourd'hui un problème criard qui se manifeste au niveau de la formation des élèves. Et puis s'il faut aussi comprendre, c'est qu'au niveau des enseignants, nombreux sont les enseignants aussi qui ne sont pas à la hauteur des attentes des élèves. Oui, nous assistons à ce fait. Et puis il faut aussi comprendre qu'au niveau même des institutions d'enseignement, qu'il y a aussi un problème. Ce sont des fois des infrastructures qui sont vétustes, c'est des fois aussi c'est les manques de documentation que nous pouvons rencontrer, et puis cela affecte négativement. Mais il ne faut pas aussi oublier quelque chose, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Internet et autres, qui devraient contribuer à la formation des enfants, sont devenus aujourd'hui source des problèmes. C'est des fois en classe que nous pouvons constater, c'est l'Internet qui domine, nous sommes là sur Facebook, ainsi de suite, ce sont les SMS, en français, c'est les mots même. Et puis, maintenant, au lieu de prendre son temps pour pouvoir écrire, pour pouvoir lire, c'est l'Internet qui est devenu source de problèmes. Et puis bon, à cela, là, il faut aussi remettre en cause aussi, qu'il ne faut pas simplement prendre la responsabilité et mettre sur la tête des formateurs. Mais l'administration aussi a une part de responsabilité. Dans la mesure où, des fois, ce sont les programmes qui sont inadaptés, oui, nous avons constaté depuis un certain temps, on a demandé, par exemple, dans les classes de sciences sociales, on a supprimé les mathématiques. C'est l'année passée qu'on a ramené les mathématiques. Et qui peut former quelqu'un qui ne sait pas calculer? Ça c'est vraiment un problème que nous avons constaté. Alors, monsieur, quelles solutions préconisez-vous pour améliorer un peu le niveau de formation de ces élèves étudiants? Comme nous avons dit qu'effectivement, les sources sont déjà connues, il faut qu'au niveau de chaque source, qu'il y ait une prise de position particulière de chacun et de tous, chacun s'engage et que chacun puisse comprendre qu'il a un rôle à jouer qui puisse conditionner la réussite des élèves. C'est d'abord au niveau des enseignants qui doivent être ici à chaque fois, se performer perpétuellement et comprendre qu'il ne faut pas simplement s'adapter aux anciens programmes, d'une part. De l'autre part, c'est les parents. C'est pour eux les enfants, c'est eux qui ne doivent pas du tout oublier qu'il faut soutenir les enfants, qu'il faut toujours suivre et assister les directions scolaires. Et
la chute du niveau de formation des élèves. C'est dû à plusieurs choses. D'abord, c'est dû du fait que les élèves ne révisent pas quand ils rentrent à la maison. Il y a quelque chose de nos jours, la nouvelle technologie qu'on appelle l'Internet. Donc, il y a des téléphones Android, donc usage abusif du téléphone. Quand on rentre à la maison, parfois on n'a pas le temps de prendre le cahier, donc nous sommes occupés à surfer sur le net, à partir sur Facebook, sur des sites pareils, et on met le cahier de côté, on ne s'intéresse pas à notre éducation du tout. Et de l'autre côté, il y a aussi la responsabilité de nos parents qui ne nous appuient pas. Bah, tout ce qu'on fait, bon, eux, ils se disent que ouais, peut-être elle est majeure, elle sait ce qu'elle veut. Ils nous ont abandonnés, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Du côté aussi des maîtres, quand on vient, quand les profs finissent d'expliquer le cours, ils ne donnent pas assez d'exercices. Ils disent que si l'élève est en classe, c'est qu'ils mettent déjà que l'élève est soucieux de réussir. L'élève doit faire ses propres recherches, donc ce n'est pas le cas de trop s'occuper. Donc ils font seulement leur rôle d'enseigner puis de rentrer. Dans les cas normaux, ils devraient donner assez d'exercices toujours pour que l'élève soit occupé et qu'il n'ait pas le temps de blaguer quand il part à la maison. Chacun doit prendre sa responsabilité du côté des élèves, des parents et aussi des maîtres. Mais aussi le gouvernement, parce que dans certains cas, il y a un manque total de documentation. Par exemple, si nous sommes en français, quand nous sommes au niveau des œuvres, exactement. Oui. Quand nous sommes, par exemple, au niveau des œuvres, des œuvres littéraires en français, nous n'avons pas de romans. Nous sommes obligés d'avoir seulement une partie de romans. Donc, si on donne ça, par exemple, aux examens, on a du mal à s'en sortir. La chute du niveau des élèves dépend de plusieurs aspects. Premièrement, quand je prends l'aspect des parents, les parents nous laissent faire ce qu'on veut actuellement, comme on dit c'est la démocratie, on laisse l'enfant faire ce qu'il veut et ça c'est pas normal. Quand tu payes pour ton enfant, tu dois essayer de voir ce qu'il fait à l'école, le contrôler comme un enfant du primaire, le contrôler de façon objective encore. Prenant le cas des élèves eux-mêmes, les élèves sont confrontés à une baisse de niveau total. Quand on prend par exemple à l'école ici, comme il n'y a pas de laboratoire, nous on fait les sciences expérimentales. Normalement, dans les conditions normales de température et de pression, on doit avoir un laboratoire pour essayer de voir les corps chimiques comme ça, ou en faisant des expériences comme ça. L'Internet encore, je peux dire que l'Internet a fini de gâter le niveau de l'élève guinéen. Vous savez, en Guinée ici, l'Internet est venu récemment. Et donc, au lieu de chercher à se former, on cherche à se déformer. Au lieu de rechercher les cours qu'on a pour les améliorer, on essaie de partir dans les réseaux sociaux pour faire de n'importe quoi. Oui, pour chatter. Et les SMS? Oui, les SMS encore déforment le vocabulaire, la grammaire de l'élève. Très bien. Alors, quelle solution proposez-vous pour améliorer? Bon, la solution est simple. Pour le cas des parents, je leur appelle à plus de responsabilités. Concernant le gouvernement, c'est d'instaurer les laboratoires dans les différentes écoles, les laboratoires, les bibliothèques, car la lecture nourrit l'esprit. Quand on n'a pas de bibliothèque à l'école, ce n'est pas bon pour notre formation. On a dit que A égale à quoi? A égale à plus 2. Alors, qui va trouver ici? Je suis tellement impressionné par rapport à la duplication que vous venez de faire. Merci. Monsieur, le constat révèle que le niveau des élèves étudiants actuels baisse progressivement. Oui. Selon vous, quels sont les motifs? C'est premièrement dû aux parents. Aux parents. Oui. Deuxièmement, nous encadrants, nous sommes un peu responsables. Oui. Parce qu'on laisse un peu les enfants comme si c'était les enfants d'autrui. On oublie un peu que les enfants que nous enseignons sont nos enfants d'abord, ce sont nos petits frères. Nous-mêmes, on a des enfants parmi eux.
parfois, il ne faut pas trop prendre l'argent en considération dans l'enseignement. Parce que nous sommes en train de former nos propres enfants. Le futur de notre pays, c'est eux. Donc, il faut que les parents, d'abord, prennent leurs responsabilités. Et en plus, que les fondateurs, surtout, s'intéressent aux enseignants. Parce qu'il faut comprendre aussi que l'enseignement, c'est le cœur. Une fois que l'enseignant se sent à l'aise, il va bien enseigner. Il faut motiver l'enseignant. Il faut motiver l'enseignant. Dans le cadre des privés. Oui. Et même le public aussi. Bon, le public, je crois, le public n'a pas assez de problèmes. Sincèrement dit, le gros problème, c'est dans les écoles privées. Quels sont tes problèmes? C'est problème 1, c'est la situation des enseignants des écoles privées. Et cette situation, on est enseignant responsable parce qu'on refuse. Tu veux trouver ici que l'enseignant même du privé ne sont pas représentés. Et si nous sommes représentés, notre représentation ne se fait pas voir. Et nous sommes dans un pays libéral. On doit se lever pour dire ça nous manque, cela nous manque, ça, ça nous manque, ça, ça nous manque. Mais on ne le fait pas. Donc nous sommes d'abord responsables de notre situation, de nous n'accuse personne. Alors, selon vous, quelles sont les solutions et quelles solutions préconisez-vous pour remédier ou remonter un peu le niveau de formation de ces élèves? Ça demande beaucoup de choses. D'abord, l'élève doit être conscient de son état. Je les ai dit toujours ici que la première des choses, il faut que l'enfant d'abord sache pourquoi il est en classe. Si on se pose la question pourquoi on est en classe, même si ton ami ne veut pas étudier, toi qui es à côté, tu peux te lever pour aller faire quelque chose. N'est-ce pas? Oui. La deuxième des choses, une fois que le professeur est en classe, il ne faut pas que le professeur pense qu'il est venu seulement pour écrire au tableau. On doit être capable de regarder le visage de chaque enfant. On doit être capable de sonder le niveau des trois groupes d'enfants que moi j'ai étudiés. Par exemple, il y a des enfants qui te les disent d'étudier ou pas, ils vont étudier. Il y a des enfants qui n'ont pas le courage d'étudier, mais qui sont intelligents. Il suffit de la pousser un peu pour qu'ils apprennent. Il y a un troisième groupe qu'il faut encadrer, n'est-ce pas? Ces enfants, si tu ne les encadres pas, ils vont pousser le deuxième groupe à ne pas étudier. Et quelle est la part de responsabilité des parents maintenant? Il y a des parents qui sortent le matin, qui ne rentrent la nuit que la nuit. Vous comprenez? Soit on laisse madame à la maison, ou bien on laisse les boys à la maison. Il y a les parents, une fois du retour à la maison, ils n'ont pas le temps de vérifier les cahiers des enfants. Vous pouvez voir des enfants, une fois à la maison, ils ferment les cahiers, c'est pour aller jouer au PlayStation. Les filles, c'est pour aller peut-être regarder les films. Dans les vidéoclubs, ou bien les... surtout les téléphones. Voilà, vous me rappelez. Le téléphone Oui, aujourd'hui, le téléphone détruit les enfants. Ah, donc c'est l'une des sources. C'est l'une des causes. Non, alors, monsieur, oui. Parce qu'aujourd'hui, oui. L'élève s'intéresse plus au téléphone qu'au cahier. Oui. Pourtant, ils oublient aussi que le téléphone peut former, mais eux ne regardent pas le côté formation du téléphone. C'est autre chose, ils regardent dedans. Hein? C'est autre chose, ils regardent là. Souvent, même si les ordinateurs, les parents paient les ordinateurs qu'on donne aux enfants. Eux, les parents paient pour quoi? Pour un travail bien défini. Mais l'élève, lui, c'est pour regarder les photos. Les photos et même autre chose, je m'en garde de dire. Cette responsabilité, elle est partagée. Il y a d'un côté la démission des parents. Nous constatons de nos jours que certains des parents n'ont pas le temps de suivre leurs enfants à la maison. Quand ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Ils ne vérifient pas ce que les enfants font à l'école. Ils ne viennent pas souvent contrôler, voire consulter les professeurs. Et c'est ce qui cause aussi. C'est l'un des facteurs. Il y a aussi d'un côté... Dans l'enseignement, les enseignants, il y a certains enseignants qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils nous donnent. Donc il y a un manque de niveau des enseignants. Si celui qui nous donne n'est pas à la hauteur, c'est quelque chose vraiment qui est déplorable. D'un autre côté, nous avons les manques d'infrastructures dans les écoles. Il n'y a pas de bibliothèque, de salle d'informatique. Ceci aussi peut jouer sur nous. Tu peux aimer la lecture parce que la lecture aussi permet de nourrir l'esprit. Donc si tu n'as pas de bibliothèque à l'école,
tes parents n'ont pas souvent les moyens de t'acheter ces livres, ces documents. Donc ça peut aussi jouer sur ta formation. Merci du terme. Donc il y a aussi d'un côté les élèves. De nos jours, nous constatons que les élèves, vraiment, ils ne s'intéressent plus du tout aux études. Donc il y a l'avènement aussi de la technique, de la technologie. Le professeur peut être au tableau en train d'expliquer la leçon qu'il a préparé durant toute une nuit et les élèves sont assis là en train de manipuler les téléphones avec les Facebook et autres. Donc c'est quelque chose que moi je déplore vraiment. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce problème? Bon, l'État aussi doit s'impliquer parce que là, il y a d'un autre côté aussi le problème d'électricité. Tu peux être à la maison, vouloir réviser, bicher une leçon donc, et qu'il n'y ait pas d'électricité. Tu es obligé de laisser le cahier parce que tu n'as pas l'éclairage qu'il faut pour réviser. Donc l'État aussi doit assister les élèves et participer aussi à la formation des enseignants. Si le corps professoral n'est pas bien, donc ce que nous allons, ils vont nous donner, nous, les futurs cadres de la Guinée. Donc ce sera quelque chose de n'importe quoi, donc ce ne sera pas bon pour le bien du pays. Le niveau des élèves ne fait que baisser, c'est dû à toute une panoplie de problèmes. Et les problèmes sont liés non seulement à la responsabilité des parents, des élèves, mais aussi des encadreurs de l'école. Et là, si on prend au niveau des parents, les parents doivent suivre, c'est-à-dire systématiquement les élèves après les écoles. Donc ils doivent suivre les cahiers, regarder ce que l'élève a fait en classe, contrôler, chercher aussi des répétiteurs pour des élèves, si l'élève n'a pas compris en classe, pour qu'ils puissent expliquer dans les très bonnes conditions. Et sur le plan des élèves, vous avez, il y a les élèves aussi qui viennent en classe, ils n'ont pas tout à fait le souci d'étudier. Ils viennent ici non seulement pour empêcher les profs, ils viennent ici, on les donne aussi tous les moyens pour pouvoir étudier, mais ils ne font pas le besoin des profs. Et ce sont presque les problèmes aussi que les profs racontent. Et au niveau des élèves, si tu n'as pas exactement l'engouement d'étudier, qui c'est comme ma soeur disait, Delia, donc si tu viens avec le téléphone, ils sont en classe au lieu de suivre le professeur, donc ils préfèrent regarder dans Facebook, se connecter dans Google. Et bien sûr, le téléphone a du importance, mais aussi il faut regarder aussi les côtés négatifs. Si nous sommes surtout en cours, on ne peut pas suivre deux élèves à la fois, donc on doit essayer de laisser le téléphone. Les gens accusent les enseignants, oui, par rapport à la qualité de formation qu'ils donnent. D'autres aussi accusent les parents d'élèves. Oui. Et maintenant, quelle est la part de responsabilité des élèves maintenant? Qu'est-ce qu'il faut pour remédier à cela? Bien. Et vous savez, l'élève, il faut aussi avoir la conscience. Si tu as franchement le souci d'étudier, quel qu'en soit le peu que l'ancien donne en classe, car il faut être respectueux. Ce que l'ancien donne, il faut le respecter. Tu vas essayer d'apprendre ça. Mais le malheur des élèves d'aujourd'hui, ce qu'on donne, on n'apprend pas surtout. Et là, si on pose les questions, le professeur surtout est obligé à se fâcher parce qu'il nous donne les peu et on n'en est pas retrouvé. En tant que parent d'élèves, les élèves vous accusent d'être réellement la cause de la chute de leur niveau. Selon vous, quelles sont les raisons? Bon, pour ce qui est aujourd'hui la chute du niveau des élèves, on doit se dire que cette responsabilité peut se situer dans plusieurs angles. Comme vous l'avez rappelé, que les élèves nous accusent, mais on doit dire très sincèrement que les parents d'élèves jouent effectivement leur rôle. Parce que le rôle qui est dévolu aux parents d'élèves, c'est non seulement payer ce qu'on appelle la scolarité pour les enfants. Après le paiement de ces scolarités, nous avons pour l'obligation aussi de suivre les élèves, les encadrer, surtout à la maison. Dans le temps qu'ils passent avec nous, à ce niveau-là, nous nous battons pour pouvoir les mettre dans des conditions afin d'apprendre comme recommande les choses. Aujourd'hui, avec la situation économique qui laisse à désirer, il est très difficile pour un parent d'élève de rester à la maison toute la journée. Donc, il faut aller chercher ce qu'on appelle le quotidien. Mais que cela ne tienne, moi, en ce qui me concerne, une fois à la maison, mon droit
Et ce qui est à mon niveau, c'est de veiller sur le cahier, par exemple, des élèves. Est-ce qu'ils ont été à l'école? Est-ce qu'ils ont pu faire quelque chose? Donc, il faudrait que je veille sur toutes ces questions-là, sur tous ces aspects pour me rassurer réellement ce qu'ils ont pu faire au cours de la journée. La situation du baisse des niveaux des étudiants incombe exactement le niveau vraiment de scolarisation des enfants dans les différentes écoles. Nous accusons d'une part le niveau des parents d'élèves. Et le niveau, c'est que l'engagement des parents d'élèves au niveau de la formation des enfants. Parce que nous accusons exactement la pauvreté exagérée sur le plan financier. Parce que s'il faut scolariser ton enfant dans une école où on doit payer 5 millions, 6 millions par an, si le parent d'élève n'a pas de moyens, on ne peut pas envoyer nos enfants dans les écoles adéquates parce que le suivi ne sera pas là. Et là, nous allons accuser aussi le niveau faible des étudiants, la paresse aussi exagérée des étudiants. Parce que nous voyons qu'on nous donne des brochures, mais franchement, le temps n'est pas là pour regarder ces différentes choses. Les bibliothèques sont là, ce n'est pas fréquenté par les étudiants. Et voilà, tout ça, il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que c'est les professeurs qui doivent vous pousser à aller faire des recherches dans les bibliothèques? Bon, ce n'est pas les professeurs qui doivent nous pousser à faire les recherches. Nous-mêmes, nous devons déjà partir vers les différents centres de formation. Mais là, nous devons avoir une base d'abord. Parce que si vous entendez partir faire une recherche, c'est qu'il y a quelque chose de concret qui te pousse à aller. Vous voyez, il y a un thème qu'on vous donne, ou bien on vous donne quelque chose de base, de concret pour partir vers ces différents centres. On peut accuser les parents d'élèves, on peut accuser les étudiants, on peut accuser même les encadreurs. Parce que si le formateur même n'est pas bien formé, il ne peut pas donner quelque chose de bon à celui qu'il forme. Et si l'élève aussi n'est pas prêt, ou bien si le parent d'élève ne suit pas son enfant à la maison, il peut pas donner quelque chose qui vraiment... Ça, même si le procès est bien, on ne suit pas l'enfant à la maison, vraiment on ne peut pas lui ramener à faire quelque chose de bon. Mesdames et messieurs, et mes téléspectateurs, nous vous proposons dans la rubrique « Utile à savoir » un talentueux monsieur, à l'occurrence docteur Alain, qui va prester sur les techniques de mémorisation. Ce matin, donc, je viens vous rencontrer pour vous parler d'un sujet très très important, la mémoire, la faculté de retenir. Hein. Vous avez beaucoup de matières, beaucoup de leçons à apprendre. Souvent, vous avez des difficultés à retenir. Quand vous apprenez le soir, le lendemain, vous vous rendez compte que vous avez oublié une partie de la leçon. Comment faire pour apprendre facilement les leçons? Comment faire pour réussir aux examens? Nous allons aujourd'hui parler de ce sujet. Voilà ce qu'on va faire. 50 élèves d'entre vous, chacun va dire un mot au hasard. Un élève va venir ici, il choisit un élève au hasard. L'élève dit un mot au hasard, par exemple un ballon. Celui qui écrit, il a 5 secondes. Compte 5 secondes dans ta tête. 1, 2, 3, 4, 5. La deuxième personne dit le deuxième mot, etc. etc. jusqu'à 50. Moi, je vais m'asseoir, je vais vous dire le mot, et après, je vais redire les mots de 1 à 50. J'aurai besoin de silence pour me concentrer. Hein. Ce que je fais, ce n'est pas de la magie. 1, 2, 2. Tout mot dont je ne vais pas comprendre le sens, vous allez changer le mot parce que le cerveau retient ce qu'il comprend. Ensuite, vous allez éviter le claquement des doigts. Ok? Donc, un candidat pour venir équilibre. Un candidat pour venir équilibre. Voilà. Bonjour. La voilà, grande école, c'est qui vole. Quoi? Amitié. Je ne regarde pas.
Certes, sans voix. Démocratie, 35 l'emploi, 36 dignité, 37 société, 38 manière, 39 déracinement, 40 corruption. Radio, oui. 42 liberté, oui. 43 journal, oui. 44 pouvoir, oui. 45 RTG, oui. 46 Yataya, oui. 47 écoles, oui. 48 élèves, oui. 49 formations, oui. 50 fers. C'est magnifique, ce monsieur. Vous venez de voir
un talentueux monsieur avec une démonstration fantastique. Monsieur, quel est votre secret? Mon secret, c'est que j'ai une mémoire extraordinaire, une mémoire que j'ai développée. Oui. J'ai développé ma mémoire. Tout le monde peut développer la sienne. Oui. Ce n'est pas un secret. Oui. Avec les nouvelles méthodes techniques de mémorisation, oui, on peut avoir une mémoire extraordinaire. Oui. Une mémoire extraordinaire dans la vie courante, oui, dans le cadre des études, oui, mais aussi dans la vie professionnelle. Oui. Donc, ce n'est pas un secret, ça s'apprend. Voilà. Et je me bats, oui, pour que ce cours soit instauré au niveau de l'éducation nationale. Oui. Hein, oui. Parce que, imaginez-vous, quand un laps de temps, vous, oui, retenez sans effort, avec, en moins de temps, oui, et avec moins d'effort, oui, c'est extrêmement important. Avec cette méthode, lorsqu'on apprend sa leçon, on est sûr de toi. Hein. Il n'y a pas de risque d'oubli. On te demande, c'est quoi, quelle est la superficie de la Guinée? Tu dis le nombre sans aucune hésitation. Et donc, avec cette méthode, vous allez apprendre facilement vos leçons et retenir encore. Alors, monsieur, je viens d'apprendre toutes ces techniques-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour retenir facilement, pour avoir la mémoire fraîche? Mais, il faut d'abord étudier ce cours. Ce cours est divisé en 6 parties. La première partie de ce cours, on vous montre comment fonctionne votre cerveau et quelles sont les règles d'hygiène à suivre pour favoriser le travail cérébral. Dans la deuxième partie, on vous montre le processus normal de mémorisation, comment mémoriser facilement. Dans la troisième partie, on vous parle de la mémoire dans la vie courante, comment retenir les noms et les visages, comment retenir vos rendez-vous, comment retenir une liste de courses ou d'achats. Et dans la quatrième partie, le sujet qui nous intéresse, les enseignants, les élèves, tout le monde, la mémoire dans les études. Apprenez à apprendre. Elle est consacrée au travail et aux études et au travail intellectuel. Il ne suffit pas de lire pour se cultiver ou s'instruire. Il faut retenir ce qu'on lit. Mieux vaut se souvenir de 50 lignes sur la géographie économique de la Chine que de lire 50 pages sur ce sujet et n'en retenir rien de précis. Nous vous apprendrons donc à retenir ce que vous lisez. Ensuite, nous reviendrons plus en détail sur la concentration pendant le travail intellectuel. La cinquième partie, comment retenir les chiffres et les nombres. Cette cinquième partie est consacrée à tout ce qui permet de retenir ce que contient les éléments chiffrés, les dates de l'histoire, les numéros de téléphone, les cartes de recharge, etc. Maintenant, dans la sixième partie, enfin, on vous montre des étonnantes performances à votre portée. On vous montre comment retenir des choses compliquées, les matières compliquées, les conflits. Donc ça, c'est la sixième partie. Donc avec une bonne mémoire, vous pouvez utiliser une somme considérable de connaissances et vous pouvez utiliser à votre profit la supériorité que vous aurez acquise grâce à l'entraînement et à la formation de votre mémoire. Quel que soit votre âge, dites-vous bien qu'en disposant d'une mémoire plus souple, plus docile, plus fidèle, vous augmenterez votre mémoire et votre faculté de rotation. Comment le monsieur a fait? Il dit aux élèves de composer ça dans le téléphone. Et les élèves ont fait. Ils ont pu recharger. Et ils ont vu dans le téléphone 10 000 francs. Voilà comment je fais, monsieur. Avec mes techniques, tout dans ma tête, avec mes techniques.